franco-marocain. Je suis né à Tinrir en 1977 et mon père en fait a immigré en 1968 et je suis arrivé à l'âge de 6 mois en France par regroupement familial avec ma mère. Et donc avec mes parents, on avait l'habitude de nous rendre régulièrement au Maroc chaque été au Bled. Donc en fait, moi je suis professeur d'histoire et géographie en lycée ici en région parisienne. Et sinon, effectivement, j'ai un attachement à mon Maroc et notamment à ma ville natale qui est Tinrir, qui est très très fort depuis l'enfance. En fait, comme je le disais tout à l'heure, chaque été, on allait au Bled. J'ai encore ma famille, nous avons une maison familiale, je suis né dans la vieille ville. Et cet attachement, en fait, il est très fort parce que très tôt, moi, je me suis intéressé aussi, enfin, je me suis questionné en tant qu'immigré marocain vivant en France, ensuite j'ai obtenu la nationalité française, sur mon identité aussi marocaine et mon identité berbère. Et en fait, chaque été, quand je me rendais au Bled avec mes grands-parents, c'est vraiment face à eux que je prenais conscience de ma berbérité, de ma marocanité. C'est-à-dire que, ben voilà, à la maison, on parlait le berbère, mais on parlait aussi le français, comme on pouvait aussi entendre parfois parce qu'on avait des amis arabes. Donc toutes ces trois langues-là, elles se sont mélangées. Enfin voilà, très tôt, j'ai baigné un petit peu dans toutes ces langues-là. Et du coup, je me suis intéressé, enfin, le fait que je m'interroge aussi sur mon identité, je me suis intéressé aussi à l'histoire de ma ville. Et j'ai appris un jour que des berbères, enfin que certains berbères étaient aussi juifs. Et qu'il y a eu une communauté juive extrêmement importante dans ce village du Haut Atlas. Et du coup, ça m'a un peu bousculé, cela m'a interrogé, parce que moi, dans ma tête d'enfant, je pensais que les Berbères étaient tous musulmans. Et du coup, j'ai interrogé mes grands-parents, et c'est peut-être pour ça que mon goût de l'histoire, en tout cas de devenir professeur d'histoire, est arrivé. Et en fait, le projet actuel que j'ai, c'est effectivement, je suis en train de préparer un documentaire sur la présence juive à Tinrir. Chaque été, c'était le grand voyage. Nous partions au Maroc, au Bled, comme on disait. Dans ma tête d'enfant, un berbère était forcément un musulman. Et un jour, j'ai appris l'existence d'une importante communauté juive au Maroc. Avec Kamal, l'association Création Mosaïque, en fait, c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être brève. Je suis partie à Tel Aviv en 2005, enfin en Israël en 2005, plutôt, parce que j'avais un projet de partenariat entre trois classes, une française, une israélienne et une palestinienne. Autour de la question de la transmission et de la problématique identitaire dans les pays en conflit. Voilà, en fait, ma question, c'était qu'est-ce qui est transmis d'une génération à l'autre pour que le conflit se perpétue. Voilà, et comment les enfants se construisent à partir de là. Et est-ce que l'école, parce que c'était l'école qui était pour moi le lieu neutre par excellence, est-ce que l'école peut être un lieu qui permette de revisiter cet héritage familial que les enfants reçoivent, sans pour autant le nier ni le mépriser, mais au moins le re-questionner pour en faire quelque chose de neuf, voilà, de différent, pour avancer, pour ne pas être bloqué dans ce passé qui est toujours présent et réactualisé. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, en effectuant mes recherches, j'étais en train d'appeler, je ne sais pas, un lycée. J'avais un contact et Kamal est passé par là. Et il m'a entendu parler de ça et il était très intéressé, j'imagine en tant que prof d'histoire et certainement pour d'autres raisons aussi. Et deux ans après, j'ai réussi à mettre en place un partenariat. Et du coup, j'ai demandé à Kamal, enfin, j'ai pas eu besoin de le pousser,
de lui-même en fait, m'accompagner pour animer des débats dans des classes israéliennes et dans des classes palestiniennes. Et le but en fait, et pour ça on était complètement d'accord, c'était de permettre aux enfants non pas de critiquer l'autre camp, mais de faire une autocritique d'eux-mêmes, de leur position, de la position de leur communauté, de la position de leur culture. Et en ayant cette expérience ensemble, on a décidé en fait de fonder l'association Création Mosaïque. Si je peux me permettre, hein, ce qui m'a aussi intéressé dans le projet de Nathalie, c'est-à-dire de mettre en lien des élèves palestiniens, des élèves israéliens, mais aussi des élèves français, c'était de... Et je pense que c'est ce que tu fais, c'est ce que je fais aussi que j'essaye de faire dans mon film aussi, c'est de faire réfléchir les personnes en dehors du clan.